les trucs scolaires. Bon, on était en train de phaser sur les pubs de BTS et en fait, bah, bam, j'ai trop... Comme dans les dramas, la boutique d'uniformes scolaires. Pour ceux qui sont fans de dramas coréens, bah voilà. La coréenne. Et voilà. Here, there is a ticket box. Oh, perfect. Comme Anita. Enjoy your dinner. On est trop choqués par la gentillesse des hôtes, des hôtes de l'auberge de jeunesse dans laquelle on est à Gyeongju. Ils nous ont déposé en voiture jusqu'à le night scene du palais de je sais plus trop quoi, donc vous allez voir d'ailleurs. Et donc c'est le Jongbong Palace, voilà. Et c'est, ça donne ça la nuit, c'est super beau. Il fait hyper froid. Après quelques minutes de souffrance, nous sommes arrivés là où nous voulions. Photo vite fait et on se casse. Là, il fait super froid, là, on s'y attendait pas. Bon, on était curieuses, on n'arrêtait pas de voir des vitrines vendant ces petits pains locaux. Et bah, du coup, voilà, en rentrant à l'auberge, on les a achetés. Ça a l'air super bon et c'est chaud. C'est super chou, fallait absolument que je filme, c'est trop mignon. Alors il faut savoir que toutes les pâtisseries coréennes sont pratiquement aux haricots rouges. Donc voilà, à l'intérieur de cette petite, de ce petit pain, il y a une pâte de haricots rouges. Mais c'est à la fois sucré salé. C'est un peu space, mais c'est intéressant. Je vais dire ça comme ça. Je vais être honnête avec vous. Je trouve ça dégueu. Oh, dégueu. C'est écœurant en fait. À monter. Ah, on respire le bon air de la nature là. All the way up to... Alors vu qu'on est un peu ric-rac niveau timing, on a décidé de ne pas attendre le bus de retour à Bulbuxa pour aller directement à pied, il y a 2,2 km jusqu'à Bulbuxa Temple. Donc c'est parti. Oh. Merci. Ah, merci. C'est tendu. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est parti.
vient d'avoir. Galère dans un pays étranger ever. Lisa. J'en ai marre, on galère même pour les places de bus. Mais il y a des places dans des bus, mais depuis quand? Oh. Nous avons été interrompus. Nous avons été aidés par un jeune coréen. Je veux savoir, putain, je peux pas publier. Il nous a fait un petit papier écrit en coréen, on veut aller en don et tout. Du coup, j'ai couru partout avec mon pancarte. Ah, yo, c'est vrai. Et je montrais ma pancarte, s'il vous plaît, excusez-moi. Et il nous a amenés jusqu'au bus, tellement il était désespéré pour nous. Samida. C'est génial. C'est vraiment genre... C'est traditionnel à fond là. Oh. Focus sur le futon. Non mais c'est beau hein. Je sais pas moi qui kiffe. Ah ouais? Des mini poissons. Oh non! On a choisi le petit déj coréen. C'est du kimchi ou pas? Top! Et en plus, il est fort. Génial! Oh yes! Yes! Oh, ça passe. On commence à s'habituer après 3 jours, tu sais. C'est ça. Le kimchi, c'est ultra épicé, c'est ce truc-là. Mm. C'est juste horrible. Ça fait 3 fois que je le prends, ça... ça commence à passer. En plus, ça, c'est le truc, l'épice normale hein, pour le coréen. Mm. Donc là, on a quitté notre hôtel, ça s'appelait Rako Jae en français, mais en coréen, je sais pas. Et du coup, là, on s'en va pour visiter le village et c'est super mignon. Énorme. Wow. C'est si haut. Wow. Voilà, ici quand t'es en train, tu fais la queue et tu laisses de l'espace au milieu pour laisser sortir les champs. Vas-y, hein. Ah ouais. Quoi donc? Ah là, c'est un peu too much. Hein. Waouh. De l'ingéniosité jusqu'au bout, hein. Oh. Oh. Là. Oh. Allez. Oh, Samida. Oh, c'est trop chou. Paris.
Ouais, c'est pas un bel ensemble. Donc les Coréens font leur demande juste ici. En fait, en bas, il y a un décor et on peut louer des costumes. Donc là, du coup, c'est NCT Dream qui a fait un petit film comme si c'était à l'époque et tout. On aurait pu faire pareil, mais c'est un peu cher de louer un costume. Quand les Coréens essaient d'écrire en anglais. Après 2 heures de recherche, nous sommes bien arrivés au bon à notre village. Ouais, là c'est bon, on y est. C'est bon, vas-y. Bah ici, t'as genre tous les bâtiments où t'as les plus grandes entreprises. Pas entreprises, mais si, c'est une entreprise, non? Ouais. Magazines, tout ça. Les journaux, les télés. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, bah là, c'est où tu bosses. Et aussi, là-bas, il y a la grande montagne, mais on la voit pas. Ouais. Et on l'appelle la montagne du Nord, la forêt du Nord, parce que c'est pas en forêt du Nord, c'est tout ça, mais c'est trop chaud. Ok. Et tout là-bas, je sais pas si on... Bah, on voit pas, mais moi je vois parce que je sais où c'est, mais c'est la Maison Bleue. Et la Maison Bleue, c'est là où le président habite ouais. Et travaille. Quoi. Ok. Ouais, en haut là. Voilà. Ok. Apparemment, il peut bouger ici parce que c'est plus. Dynamique, j'imagine. Oui, et il veut pas se sentir trop. Parce que là-bas, c'est très très grand. Ouais. Et du coup, il dit que ah bah du coup, tous les pouvoirs sont concentrés au même endroit. Ouais. Ce mec-là, il a inventé le. On est arrivé au Lantern Festival, quoi. C'est arrivé dans ce grand vitesse en plus. Ah bon. Oula. Wow. On essaie de cuisiner mais c'est n'importe quoi. Et en fait on vient de voir qu'il y avait une vidéo explicative jusque là mais c'est trop tard, on a fait la merde. C'est censé être un truc avec des nouilles mais il y a plus de condiments que de nouilles en fait. Donc voilà. Attention, il y a Good news.